Bonjour Tiffany. Bonjour Mof. Bonjour à tous, c'est Tiff et Mof de l'agence Stéphane Plaza Immobilier à Guéret. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais faire découvrir une maison à Mof. Donc on est sur le secteur de Chénier. Donc voici la maison Mof, donc une maison qui a été rénovée, il y a 3 chambres, un beau séjour, à côté tu as une grange attenante. Donc en gros Tiffany, si j'ai bien compris, là tu as une partie habitable. Oui. Au milieu c'est une grange. C'est ça. Et donc à l'extérieur de cette cour là, on a une deuxième grange. Tu retrouves 2 grandes dépendances, ouais. D'accord. Sur cette partie là, il y a juste un petit nettoyage à faire pour récupérer la pierre. Exactement, mais le principal de la maison c'est ici, donc tu as la maison et la grange attenante. Parfait. Allez, je te fais découvrir. Donc on fait le tour parce qu'il va faire nuit. Donc surface du terrain, on a 4500 m², tu retrouves un puits de ce côté là. Ok. Donc tout est entièrement clôturé. T'as vu cette vue? Ah, ce qui est bien, c'est qu'on est... À la campagne. À la campagne. Et alors, pas de vis-à-vis. Non, alors là, t'as 0 vis-à-vis, puis en plus, t'es dans une voie sans issue. Donc t'as vraiment... t'es dans une tranquillité extrême. Donc là, si j'ai bien compris, devant cette maison, on a à peu près 4500 m² en comptant aussi la vente de la maison. Voilà, exactement. D'accord. Ça fait tout le tour de la maison en fait. Allez, tu me suis, je te montre l'intérieur. Allez. C'est parti. Donc nous voici dans la pièce principale. Donc pierre apparente, poutre apparente, tout est en double vitrage. C'est propre. Tu as un système de chauffage avec un poêle à granules. Et tu as des radiateurs électriques pour combler. Donc de ce côté-là, tu as le petit salon. Parfait. Ils ont fait une belle ouverture. Bon, on pourrait même imaginer faire tomber ce mur. Tu peux, ouais. Ça reste des cloisons en placo. Bah, ça ferait une belle pièce, là. Ouais. Et de ce côté-là, tu as la cuisine qui est ouverte aussi. Donc une cuisine sur l'extérieur. Voilà, donc il y a pas mal de lumière. Ce qui est bien, c'est que c'est traversant, ouais. Lumière traversant. Double vitrage, ça c'est pas mal. Et ceux qui aiment bien les fours à pain, c'est pas mal. Et là, tu as une petite arrière-cuisine avec le chauffe-eau et le compteur électrique. Donc là, tu retrouves un double WC en bas parce que tu en as un en bas et un en haut. Pratique. Pratique. Ça nous passe. Nous voici à l'étage. Donc tu retrouves le deuxième double WC. Ah, double WC. Ici, tu as la salle de bain avec une fenêtre. Donc c'est pratique aussi. Pareil, assez pratique. Une salle d'eau, pardon, pas une salle de bain. Hop, et donc les 3 chambres à l'étage. Donc la première, c'est un placard intégré. Ok, donc elle est spacieuse celle-ci. Ouais. J'aime bien avec les poutres aussi apparentes. Parfait. Donc la deuxième chambre. Donc c'est la même que l'autre, sauf qu'il n'y a pas le placard intégré. Parfait. Donc une chambre de plus de 9 m², on est sûr. Oui, ouais, ouais. Et on termine avec la troisième chambre, donc c'est la plus grande. Une grande chambre. Oui. Bah si tu l'imagines sans ce gros meuble, oui, ça fait vraiment une très grande chambre là. Oui. Et on peut imaginer aussi fermer à ce niveau-là pour faire des placards. Ah bah oui, voilà. Tout à fait, ouais. Un dressing, si on veut. Donc du coup la grange. On a fini la visite de la maison, on attaque la grange. Donc tu vois, au niveau de la toiture, elle a été révisée il n'y a pas très longtemps. Donc elle est en bon état, il n'y a rien à prévoir. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. On peut imaginer faire un garage. Un garage ou un agrandissement. Oui, un agrandissement de la maison, tout à fait. Tu vois, le mur, là, il donne directement sur la maison, dans le salon et partie buanderie. Tu as des ouvertures partout au niveau de la grange, donc ouais, un agrandissement. Voilà, donc un accès, on pourrait s'imaginer avoir un grand salon ici et puis faire des pièces en haut. Et tu aurais les ouvertures de tous les côtés. Tu en as une petite là, une là.
Après, ouais, c'est un beau projet. Après, un petit peu plus coûteux, mais ça peut être un beau projet. Et concernant les autres grangements, je ne vais pas te faire montrer. On va laisser un peu de suspense. Donc, tu vois, là, il reste les deux granges donc, du coup, qui sont collées à la maison. Et tu as aussi le terrain qui est devant la grange. Donc, d'accord. Qui en fait partie. Ça marche. Bon, merci pour cette visite, Tiffany. Avec plaisir. Voilà, j'ai bien aimé ta maison. Donc, tu as vu, c'est une belle maison. Donc, il n'y a pas grand travaux à prévoir. Il y a le charme de l'ancien, il y a les pierres apparentes. On n'est pas très loin de Guéret. Oui. On est dans un secteur très calme. Le prix de la maison n'est pas excessif. On est en dessous des 100 000 euros. On vous mettra le lien de l'annonce en description. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations concernant la maison. Voilà, moi, donc, j'ai plus rien à rajouter sur la maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à aimer notre vidéo. Si vous voulez la visiter, bah, contactez-nous à l'agence. On sera un réel plaisir de vous la faire visiter. Voilà, bah, écoute, merci pour cette visite, Tiffany. Et puis, on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt, salut. À bientôt.